au SAM à Mérignac. J'ai joué là-bas pendant 6 ans. Après, en U14, j'ai signé au Girondins 2 ans en préformation. À la fin de ça, j'ai prolongé un an au centre. Et ensuite, je suis revenu au SAM en 17 NAS. Et là, j'étais au SAM jusqu'à maintenant. J'ai fait 17 NAS, 18 terrains, mais il y a eu le Covid, du coup, 2 mois, ça s'est arrêté. J'ai fait 19 NAS et après je passais directement en senior R1, j'ai fait 2 ans. Et là, l'année prochaine, je m'en vais au Stade Bordelais avec la Nationale 3. Sur la saison de l'année dernière, ça a été une saison un peu compliquée, on va dire. On a pas aussi bien performé que l'année d'avant. L'année d'avant, ça a été une très bonne saison. On avait fini 3e. Et là, l'année dernière, du coup, on finit 2e, mais à 3 points du relégable. En gros, à la dernière journée du deuxième au huitième, tout le monde pouvait être relégué. Et ouais, une saison pas top, mais au final on a réussi à bien finir au final, donc c'est le plus important. On s'est maintenu de rejoindre le Stade Bordelais l'année prochaine. J'ai choisi le Stade parce que c'est un club qui évolue au niveau National 3, National 2 depuis des années. C'est un club de la région, donc ça me permet de rester chez moi. J'ai mon travail à côté, du coup je peux faire les deux. Et ouais, c'est un bon club, c'est un club qui est toujours à un bon niveau. Et en plus je connais déjà quelques joueurs là-bas, etc. Donc ouais, c'est un bon projet. J'espère que ça va bien se passer. Et puis voilà, mais ouais, j'ai fait le choix d'aller là-bas. Pour moi, c'était le meilleur projet. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer, et puis on verra. Moi, mon style de jeu sur le terrain, déjà, faut savoir de base, depuis que j'ai commencé le foot, j'ai toujours joué milieu de terrain, 8 ou 10. Et là, depuis senior, là, depuis 2 dernières années, du coup, j'ai fait que jouer, à part quelques matchs où j'ai joué 10, mais sinon, j'ai fait que jouer en ailier droit principalement. Et l'année dernière, j'ai pas mal joué en 9 aussi. Et au final, ça a marché. J'ai fait 2 bonnes saisons avec pas mal de stats, buts et passes décisives. Donc là, du coup, là, maintenant, en vrai, je dirais que je suis ailier droit et 10, parce que 9, j'y ai joué, mais c'est pas le poste où je prends le plus de plaisir. Mais ouais, ailier droit et 10, ça reste mes postes préférentiels. Et je dirais que je suis plutôt un joueur à l'aise techniquement. Je suis plutôt rapide aussi. J'ai une bonne vision du jeu. J'aime beaucoup jouer, enchaîner les 1-2, toucher la balle. En gros, ouais, j'ai besoin de jouer tout le temps, prendre du plaisir. Et ouais, ça passe par moi, pour moi, le jeu combiné, etc. C'est là où je prends le plus de plaisir. Donc j'ai besoin d'être dans une équipe joueuse. Et voilà comment je me définis en vrai sur le terrain. En vrai, c'est vitesse avec ballon et sans ballon, la répétition des efforts, des courses. Techniquement aussi, je suis à l'aise. Ouais, vision du jeu, et voilà. Et après, sinon, au niveau de ma progression, je dirais qu'il faut que physiquement je sois plus dur. Mais ça, du coup, je travaille à côté des entraînements, etc. Je fais des trucs en plus et tout, et là je vais le faire encore plus là pour l'année prochaine. Mais ouais, physiquement être plus solide. Et après aussi, je dirais, quand ça c'est plus du coup quand je joue ailier droit, ce serait peut-être les 1v1, mais genre vraiment les 1 contre 1 purs, où il n'y a pas trop de déplacement autour de moi, parce qu'en vrai je suis un joueur. Quand j'ai un 1v1 et que autour de moi ça bouge, j'ai pas trop de soucis, je me sers bien des appels des autres, etc. Mais quand vraiment je suis un 1 contre 1 et que c'est lui et moi et autour ça, y a pas forcément de solution et tout, des fois je sais pas, j'ai du mal à prendre ma décision au bon moment, etc. Du coup, en vrai, je dirais c'est là-dessus, en vrai, sur le 1 contre 1 pur, à progresser là-dessus. Pour l'année prochaine, individuellement, j'espère jouer déjà. M'imposer en tant que titulaire. Et après, si c'est le cas, marquer des buts, faire des passes décisives, être décisif tout simplement, être bon, enchaîner les matchs. Effectivement, jouer le plus haut possible du classement. Si on peut monter, on montera. Et si c'est pas possible, quand même
jouer le plus haut possible. Enfin, la place la plus haute, pardon. Et ouais, être bon avec l'équipe, bien s'intégrer dans le groupe, prendre du plaisir surtout. Et puis apprécier à tout ça, il n'y a pas de raison. De toute façon, que la saison se passe bien. Et puis, de toute façon, on verra bien à la fin de saison ce que ça donnera. Et puis voilà.